Salut tout le monde, c'est Darkanis59. Je suis désolée de vous dire que je vais recommencer l'aventure survie après les gros fails que nous avons subis ensemble. Enfin, que j'ai surtout subi et que j'ai pas fait passer. Donc j'ai changé de logiciel de capture, donc je ne buggerai plus. J'utilise Fraps. Et donc nous allons commencer bien tout de suite. Et cette fois, bien dans l'ordre. Donc nous allons... Bah tiens, il y a de la canne à la prendre. Alors nous allons commencer à faire un petit abri dans le sol. Ah oui, et aussi, est-ce que l'un d'entre vous pourrait me dire comment fractionner mon disque dur? Parce qu'en fait, vous savez très bien que les vidéos de Fraps, ça prend quand même au moins 3 gigas, même plus. Certaines vidéos, donc je filmerai 10 minutes par vidéo. Sinon, montrez-moi une solution pour fractionner mon disque dur. Au pire, pardon. Au pire, j'achèterai un disque dur externe hein, pour combler, pour essayer de ne pas bugger pendant mes vidéos. Donc, ça fait quand même longtemps que j'ai pas fait d'épisode de survie dans Minecraft. J'espère que vous entendez le bruit du jeu. Sinon, je vais mettre une vidéo. Si vous entendez du bruit derrière moi, c'est normal. Voilà, je me suis fait du bois. Attendez. Ah, bah, attendez, ici. Je vais faire un truc. Et voilà. Donc, on va tourner le. Je ferai vraiment là des vidéos de 10 minutes donc par journée Minecraft, vraiment par journée Minecraft, parce qu'en fait j'avais la fois j'avais un petit peu triché, je ne faisais pas toujours par vidéo Minecraft, je continue un petit peu et là c'est vraiment par vidéo Minecraft. Alors ma petite pioche, encore une épée, voilà. Donc vous avez remarqué, j'ai un autre pack de textures. C'est R3D Craft, pour ceux qui se demandent. Donc que ça ne naturise pas trop Minecraft. Donc j'aime bien. Donc de remarquer un truc en fait. Je vais vous demander les nouveautés de la 1.4.6. Je viens juste de trouver. Hein. Il y a déjà plusieurs choses. Mais les items sont en 3D, donc avant il y avait un mode. Quelqu'un m'avait déjà dit, mais je n'arrivais pas à vraiment le voir. Je le voyais pas en fait. Voilà. Attends. Que j'ai fait ça. On va essayer d'aller miner. On va miner. Hop, on va miner par ici. Non, par ici. On va continuer. Quand j'aurai assez de pierre, je me ferai une pioche en pierre. Donc, par contre, cette aventure, je crois, je sais pas. Je me dis dans les commentaires si vous voulez que je la joue en paisible ou en facile. Parce que moi, je suis pas un grand. Minecraftien, on va dire. Je ne suis pas fort en survie. Je suis plutôt fort dans la construction de grands bâtiments. Après, chacun est fort dans une matière, on va dire. Là. J'espère que la vidéo ne va pas durer trop longtemps pour pas me prendre trop d'espace. Je sais. Bon, pour l'espace, moi l'espace d'un ordinateur, pour moi c'est très important. Regardez, il fait comment? Le soleil. Soleil. Ok, on va dire il est midi. Il est midi et j'ai pas pris de petit déjeuner. Non, en fait, là, à l'heure que j'ai fait. Enfin. En vrai, là, il est 16h34. 16h34 pour le. Attendez, je vous demande bien.
né le 3 janvier 2013. Donc je vous souhaite quand même une bonne année. Je voulais faire un épisode spécial 2013. Je n'ai pas pu, faute informatique. Et de fait, on va monter en haut, je vais me faire une pioche. Oh, pierre. Donc si je tousse ou j'éternue des fois, c'est normal, parce qu'en fait je suis malade. Bon, après c'est normal qu'on tousse et qu'on éternue, mais là je vais vraiment éternuer. Hop, les pierres. Une pioche. 35, bah je vais me faire un four alors. Avec un peu de chance, on va trouver du charbon. Ah oui, et ceux qui veulent le seed de la map, vous me le dites dans les commentaires. Enfin, ceux qui veulent le seed de la map, et ben il faut simplement que j'ai au moins 10 gemmes. À la vidéo, vous aurez le seed de la map. Enfin, le seed de la map. Donc, moi je trouve que c'est une très belle map. Hein. C'est bien, une petite rivière. Donc, mon prochain épisode, ce sera la construction de notre maison. Et après, on ira faire un peu d'exploration. Hop là. J'espère que vous voyez quelque chose, parce qu'en fait, je mets dans le noir. Mais j'espère que vous verrez bien. Attendez. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sera des vidéos très courtes. Je sais que je me répète, mais voilà, ce sera très court. Très court, très court, 10 minutes. Pour se détendre, enfin, je sais pas, moi, je reçois des fois des messages des gens en me disant merci pour ta vidéo. Ils rentrent des cours ou je sais pas, du travail, ils regardent en famille, je sais pas. Mais ils me disent vraiment merci pour les vidéos. Il y en a un, il a même regardé sur un vidéoprojecteur mes vidéos. Et là, il continue, je crois, bah tiens, du coup, celui qui regarde mes vidéos dans un vidéoprojecteur, c'est quand même cool, hein, dans un vidéoprojecteur quand même. Voilà. Ah oui, et tous ceux qui aiment Minecraft, pas moi, ceux qui sont fans de Minecraft, moi je lui dis abonnez-vous à la chaîne parce que sur cette chaîne il va y en avoir, hein, du Minecraft et pas que de la survie. Il va y vraiment y en avoir. Je vous conseille aussi la chaîne de Monsieur Nassim du 129. Donc Nassim c'est avec le DS, lui aussi fait de très belles vidéos de Minecraft, je trouve, même s'il est. Il a pas une voix de grand, enfin d'adulte. Il n'a que 10 ans, mais je trouve que ces vidéos sont quand même intéressantes. Je vous conseille de vous abonner. Et vous abonner aussi à eDestroyers, ma team. Enfin, ma team avec moi, Supercraft666, Monsieur Nassim 59, Piro Piro, Natux. Et peut-être Neto75, si vous connaissez Neto75, un grand youtubeur quand même. Je lui envoie un message, lui disant si vous voulez. Bon. Pour l'instant, jamais il dit je parle, mais on trouve pas de. Et bah de charbon ou de fer. Ah bah si, voilà, on en parle, on trouve. Ce qui est vraiment dommage, c'est qu'il me faut du charbon. Bon, après, je vais prendre du bois, enfin la pioche en bois. On va aller à la couche 16 et on va miner. Voilà, couche 16. Après, c'est bon. J'espère que vous voyez. Bien. Ajouter un paramètre. Luminosité au maximum. Bon, je vais remonter. Et si il fait nuit, on va s'arrêter là. S'il fait nuit, on va s'arrêter là. Donc on fera une petite grande maison dans le prochain épisode quand j'aurai trouvé assez de fer et de charbon pour faire des matériaux. Enfin des. Ouais. Bon, on va s'arrêter là sur. C'est même pas un coucher de soleil. Ah bah tiens, regardez là-bas, il y a une montagne et là-bas j'ai vu du désert, je crois. Bon, il y a un désert là-bas. On ira explorer. Avec un peu de chance, on trouvera un village de PNJ. Donc, je vous quitte sur ce début de coucher de soleil. Donc, salut tout le monde, c'était Darkanis59.